dirait pas le gars de tout à l'heure. Papier peint, on dirait Maison du Monde. Ça va? Ouais. C'est quoi ce papier peint, wesh? C'est la grand-mère. Mais il est beau, hein. C'est la savane. Hé, hey, les filles, est-ce que vous avez des anecdotes, s'il vous plaît? Anecdote? Vas-y, racontez une anecdote, s'il vous plaît. Sur quoi? Sur ce que vous voulez, une anecdote drôle, genre. C'est pas attends, raconte une anecdote. Dépêche-toi, par contre, frère. Oui, oui, oui. Non, en fait, je sais pas. Ah, on n'a pas d'anecdote. Mais... Vous avez pas d'anecdote? Ça se voit, gros, ils sont 4 postés, ils veulent juste tomber sur des meufs. Qui rapporte un dard. Merci, frérot. Non, si, c'est impliqué. Impliqué. Oh, frérot, est-ce que t'as une anecdote, s'il te plaît? Wesh, c'est quoi ce papier? Wesh, je pète un câble pour les murs des gens. Bonjour. Oh là, y'a des prises partout. Attends, attends. C'est... Raconte ton anecdote. Mon anecdote? Ton anecdote. Ok. Du coup, un jour, tu vois, c'était là. J'ai voulu baiser. Ouais. Et y a une meuf, elle était fraîche et tout. Je gravais un boule de malade et tout. Ouais. Et voilà, après, genre, je parle une semaine, deux semaines. Après, pendant la deuxième semaine, mes darons, ils ont voyagé. Ils sont partis au ski. Mmh. C'était en décembre. Et du coup, ben, elle est venue chez moi. On a commencé les bails. C'était bien et tout. Et là, quand je voulais la mettre. Il a pas mandé. Et ça a bloqué. Enfin, ta chatte, elle a bloqué. Comment ça, elle a bloqué? C'est un truc qui s'appelle en mode vaginisme. Genre, ah ouais, je connais. C'est possible. Ouais, ça, elle dit genre, tu peux mettre ta bite, elle se bloque, c'est bon, je peux la sortir. La vie de ma mère que je connais. Genre, ta chatte, elle se contracte. On est parti à l'hôpital. Mais non, tu veux. La vie de ma mère. Voilà, c'est une bonne sortie. C'est deux jours avant Noël. C'est pas toi qui décide. Ah oui, moi, j'ai un truc drôle. Vas-y, raconte. Enfin, c'est un truc un peu gênant, mais... J'ai pas confiance. J'aime les trucs gênants. En gros, je suis sortie avec un gars. Hmm. Je suis sortie avec un gars. Oh, en fait... Ouais, voilà. Et en gros, après, je l'ai quitté. Sauf que... Je suis sortie avec un autre gars. Et là, enfin, genre, on est plus ensemble. Hmm. Ça fait longtemps, tu vois. Et là, je suis en train de reparler à un gars. Et en fait, j'ai su que les trois, c'est des cousins. Comment ça? Elle a fait chaud trois cousins. Est-ce qu'on vous connaît? Je savais pas. Meuf, attends frérot, t'as 15 ans, t'es en train de gérer des mecs. T'as géré trois. Attends, t'as géré deux mecs, c'est des cousins, ça? Trois. Non, en gros. Trois. Ouais, ouais. One, two, attends, three. Je t'explique. Viva la G. Non. Je suis baisé. Ouais. Skip pas, mec, j'ai une question. Ouais. Une question. Alors tu vois les TN et tout, c'est pour les mecs lacostiennes et tout. Ouais. Mec, dis-moi qu'elles sont dégueulasses. Mec, c'est pour les mecs lacostiennes et tout. Oh là, question. Enfin, dis-moi pas qu'elles sont dégueulasses plutôt. En vrai, j'aime bien. Hello, elles vont pas mal, hein. Vous venez de la rue un peu, vous? Alors qu'elles sont dégueulasses. Pas du tout. Vous venez du coup, il a un beau bricard. Qu'est-ce qui vient de la rue? La Rochelle. La Rochelle. T'inquiète, c'est un ballon. C'est comment à La Rochelle, il se passe des trucs rigolos? Ah bah il y a des petites cités quand même. En vrai, ouais, il y a t'inquiète. Des petites cités où ça pète bien sa mère, hein, mais... Ah ouais, ça pète bien, c'est la rue là. En mode street ou pas? En mode street ou pas? Les racailles. Ouais, en mode street. En mode street, ouais. Ok, est-ce que vous avez une anecdote? Non, moi j'en ai une drôle. Par la police. Vas-y, raconte une anecdote drôle. En vrai, c'était quoi? C'était là, avant le Noël. Le Noël. Quand tu nous rejoins là dans la nuit. Et bah, genre, il y avait un mec qui nous cassait les couilles, tu vois. Ouais. Et on était avec un bon de potes et tout. Ouais. Genre, il commence à faire le malin et tout. Fais frère, fais pas le malin, on va te péter. Ah voilà, ça se pète. Frère, je suis allé chercher une corde chez WAM. Le mec, on l'a attaché à l'arbre. Wesh, il a moins crime là. Noël, il a attaché à l'arbre. Je viens de croiser un menteur, je m'assois tellement c'est trop. Comment tu l'as attaché à un arbre? Non, je serais tombé. Mais alors, mais t'es un peu, genre, 10, frère. C'est sa daronne qui est venue chercher. Je sais pas comment il a fait, il a réussi à récupérer son bigot, tu vois, qui était dans sa poche. Il a appelé sa daronne et il a dit... C'est un menteur. Viens me chercher, moi, attaché à un arbre. C'est fils de...
Allez. Ouais, ouais. Ça, mon ref. Okay. Ça va, ouais. Ça va, toi, mon ref. Ouais, tu fais quoi? Ouais, là, je fais pitou pour un mais t'habites, t'habites dans le Jura ou quoi? Il est t'as dans un sauna suisse de pute, là. T'as dit quoi? Fils de pute, je te laisse ta mère. Ouais. Ça va, quoi, mec? Ça va, et toi, mon ref? Non, ça va pas, j'ai envie de pisser depuis 20 minutes. Le papier pend des gens. T'as envie de pisser? Bah, va pisser, non? J'ai envie de pisser. Va pisser? Va pisser. Ouais, mais c'est bizarre parce que j'ai toujours pas pissé. Non, j'ai trop envie, mais j'ai mal. Mais coucou. J'aime avoir mal. Fais-moi ouais, mal. Ouais. Vas-y. Vas-y, prends-moi le cul, grand fou. Les gens. C'est quand même un peu nice, oui. J'ai mis personne là. Ouais, ouais. Let's go, Canadien. Ça va, frérot? Non, mais mytho, il mytho. Ça va, toi. Ça va? Tu vois, c'est cramé. Tu fais quoi? Bon, là, rien de spécial, là, ouais. Je suis en train de préparer mon knife. Moi, je crois. Ouais, il lui fait trop mal, fils de pute. Attends, pas, attends mais frérot, genre la vie de ta mère, t'es québécois. Non, je suis pas québécois, frère. Tu vas le faire. Il a. Ouais. Personne n'a vu En fait, mon anecdote. Les sons. Wesh. Je suis à quoi le... Il est quoi le poteau? Ça va, ça fait 20 ans qu'il est bloqué. Et il a des vrais super. Pourquoi tu roules en fait? Vas-y, fais-nous partager la blague. Rien. Oh la connasse, c'est le genre de meuf au premier rang. Voilà, un pic n'est pas fait. Au nom d'Allah, ton gars, c'est un Magikarp. C'est pas mon gars et il s'est foutu ta gueule. Je sais. Wow. Oh, mais attends, j'avais fait. Ah, c'est comme j'avais fait la. J'aime bien PNL. PNL? Il est tellement con. Ouais. J'adore. Bah, je suis taureau, il est scorpion. Taureau en bleu sang. T'es taureau? Je vais être tous les deux énervés. Attends, je crois que je vais pas tarder à prendre le taureau par les cornes. Oh. Ok. Oh, elle était belle. Franchement, elle était belle. Non, je rigole. Non, mais moi, je suis vierge. Mais fantastique. Pour longtemps. Ah bah elle aussi. Pour longtemps. Masque. Masque. Pourquoi il a un masque? Et voilà, t'es trop con, fils de pute. T'as déjà vu. T'es de quelle origine, mon ref? Quelle origine? Ouais. Tu sais deviner? Compliqué là. T'es italien-slovaque. Slovaque? Ouais. Après, je suis musulman, enfin, je suis arabe quoi. Quel rapport entre être musulman et avoir une. C'est que musulman, c'est pas une origine, mon sauce. J'avoue, je dis de la merde, gros. T'as une meuf? Ouais. Ah ouais? Non, plus maintenant. On est ensemble. Force à toi, mon ref, j'avais une meuf, elle m'a laissé pour son cousin, on est en bleu sang, mon ref. Hein? Ah, t'inquiète, frérot, longue histoire. Ton cousin, frère, tu te mets la gueule par contre là. Non, la tête de la mère, c'est vrai. Bah attends, mais gros, mais tu sais que c'est pas normal là, ce que tu me racontes. Ouais. Ouais, c'est pas normal, frérot. Frérot, est-ce que t'as une anecdote, mon ref? Non, mon ref. Là, je m'en souviens de rien, ouf. J'étais con, quoi. Eh non, je viens de fumer, voilà, je sais pas qui je parle. Je vais baiser tout le monde. Ouais, je t'ai éclaté ou quoi? Eh non, je suis bien foncé, là, je suis dans mon zio. Son crâne était en pyramide. Son crâne était en pyramide. Mais ça, c'est du tout. Ça va, frérot? C'était déjà vu, toi?
Ouais, possible. T'habites où, toi? Toi, Toulouse, toi. Je m'en rappelle. Ah, t'as le truc pour voir la localisation, GG, mon ref. Elle est lourde, ta voix. Tu viens juste de Toulouse, je m'en rappelle. Ah, c'est déjà croisé? Ouais. On l'a vu tout à l'heure, là. C'est un pote, toi, frérot. C'est normal, on peut pas me souvenir. Tu connais pas Capitole? Non. À la place Capitole, qu'est-ce que ça? Ah, à Toulouse. Non, en Bretagne. T'es drôle, toi. Ouais, je sais. Non, je rigole. C'est quoi que t'as comme micro? Mon micro, c'est un BM100. BM100, c'est pas le micro, t'as l'imam là qu'il y a dans la mosquée quand l'imam fait. C'est un fou là, qu'est-ce que tu racontes? Attends, mais t'as quel âge? J'ai 18 ans, mon ref. 18 ans, putain, Et tu es de quel lycée? Non, mais j'ai fini les cours, je suis au travail, Ça y est, t'es fini, toi. Toi, t'es fini. Tiens, Chala, tu fais des streams au moins sur ton ordi à 5000 euros. Parce que sinon, ça va pas, le sang. T'inquiète, moi, la daronne, j'arrive pas à lui taxer plus de 2 yaourts et un actionnel dans la journée. Et voilà, t'es drôle, mon ref. Sinon, on en ruine dans la famille. On est 14 dans la famille, le sang. Ouais. Ah, ouais, ça y va. Tout t'as vu, les gens, ils vendent des barrettes de shit. T'as dit quoi? Les gens, ils vendent des barrettes de shit dans mon quartier. Ouais. Eh ben, guette, attends, bouge pas. Tellement je suis gentil. Déjà, ils vendent des barrettes de chute, moi je vends des barrettes de RAM si tu veux. 4Go, PC3, tu me dis tout ce que tu veux, y'a tout là. À la rainerie. Tu connais un mec qui s'appelle Walid? Walid Bagatelle. Ouais. Ouais, c'est mon cousin. J'ai ravi ta mère? Voilà. Non, jure. Voilà. Mais non, putain. C'est mon cousin. Direct, ah tu me vexes. Ah tu me vexes. Ah tu me vexes. Dounia DZ, Selem, le sang. J'espère que tu passes un bon like. Que Dounia, les autres, je m'en bats avec un peu, je vous mens pas. Eh ben, tu sais que. Wesh, tout le monde veut gérer Dounia, c'est un truc de ouf ça. Non, en vrai, je veux pas la gérer, oula, mais ça a l'air d'être une bonne personne. J'aime bien le prénom, c'est tout. Ouais, elle est belle, hein. Après, les autres, il y a des Charmou, des RZ. Attends, je me suis pas abonné à Hachek, attends, je m'abonne. Parce que j'avais la famille maintenant. Comment s'appellent les gens qui font des trucs avec les animaux? Zoophiles. Des cannibalismes. Sur toi, Jean. T'as tout compris. Là, avec moi, c'est bon. Là, tu m'as croisé dans ta vie, t'as fait le buzz. Ça y est. Ça gars, part d'aujourd'hui. Je vais buzzer sur ton dos, t'inquiète, mon ref. Attends, tu me rends un service? Charlotte, t'as vu, tu vas faire le buzz, tu vas gagner 20 000, ouais. 30 000 abonnés. S'il te plaît, le sens. Si tu m'aimes, tu fais des partenariats avec Activia et Actimiel. Vas-y, t'inquiète. Non, je penserai. C'est incroyable. J'y penserai, mon ref. Voilà, tu me régales. Je suis abonné à ta chaîne YouTube, je mets la notif. Si je vois pas ma vidéo, ma tête dans 2 jours, c'est bon. Merci, dans 2 jours. Comment ça, je t'aime, Dounia? Non, je DM Dounia et on fait des trucs. Non, j'ai rien dit. Je captais. Non, je rigole, je suis dans le halal, inchallah. Ouais, moi aussi. Mada kono sekai wa boku o kai narashite tai mitai da nozomi dori daro utsukushiku mogaku yo.